Salut les sucrés, c'est Naemas. Et pour la recette de cette semaine, on va faire une recette qui plaira aux petits comme aux grands. On va se faire un brownie. On y va pour la recette. Pour notre recette, on va le faire en deux étapes, donc notre pâte à brownie dans un premier temps, puis un glaçage rocher. Pour notre pâte à brownie, on va avoir besoin de chocolat, de beurre, d'œufs, de sucre, de farine, de noix de pécan et de noisettes. Pour réaliser notre pâte à brownie, on va dans un premier temps faire fondre notre beurre avec le chocolat, puis on va monter au batteur le sucre avec les œufs. On va incorporer délicatement notre mélange fondu, puis on mélangera la farine à la maryse, on rajoutera les fruits secs et on mettra le tout à cuire à 160 degrés pendant 15 minutes. Notre brownie est cuit, on va maintenant passer au glaçage et on réalisera la finition du dessert. Pour notre glaçage rocher, on va avoir besoin de chocolat noir, d'huile et d'amandes hachées torréfiées. Pour le glaçage, ça va être très simple, on va faire fondre notre chocolat noir et puis on va rajouter l'huile. On va bien mélanger, puis ajouter les amandes hachées torréfiées. Une fois le glaçage cristallisé, vous pouvez laisser environ un quart d'heure pour les déguster. La recette est maintenant finie. Si vous aimez la vidéo, likez et abonnez-vous. À la semaine prochaine pour une nouvelle recette.